L'émotion et le recueillement ce matin au passage à niveau, à l'endroit même où Tony, âgé de 16 ans, a perdu la vie percutée par un train. Ces femmes ne le connaissaient pas. Marquées par le drame, elles ont souhaité venir déposer des fleurs et des bougies. Des messages d'affection également partagés sur les réseaux sociaux par les proches de la victime. Sur les lieux, il ne reste plus aucune trace de l'accident. Une enquête a été ouverte dès hier soir. Gendarmes et secouristes ont commencé à scruter la voie ferrée. Pour l'heure, beaucoup de questions se posent. Est-ce que le jeune homme n'a pas vu, pas entendu le train arriver? Ce qui est sûr, c'est que la barrière était fermée, le signal allumé. Le train était parti à 16h56 de Bastia en direction de la Balagne. Aucun arrêt n'était prévu en gare de Luciane. Y a-t-il eu un problème technique? Le train roulait-il à une vitesse adaptée, c'est-à-dire 80 km/h maximum sur ce tronçon? Depuis ce matin, les équipes techniques des chemins de fer et les enquêteurs examinent certains paramètres. L'enquête est en cours, les bandes ont été saisies, elles sont en train d'être visionnées. On attend les résultats, bon, on est assez confiant, mais bien entendu, ça n'enlève rien au drame, ça n'enlève rien à la peine de cette famille. Bien entendu, toutes mes pensées vont vers cette famille et ce drame insupportable pour eux. Cet accident pose comme toujours la question de la sécurité. L'enquête confiée par le parquet de Bastia à la gendarmerie se poursuivra sur plusieurs semaines pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé.